Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Un air d'accordéon et de la chanson. Aujourd'hui, on va parler effectivement un peu plus d'accordéon. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Jean-Luc. C'est une émission un peu plus accordéonique aujourd'hui, n'est-ce pas ? On va parler accordéon toute l'émission. Bon, alors si on commençait par un premier titre, avant d'accueillir nos invités qui sont prestigieux aujourd'hui. Et puis pour se mettre en marche, c'est le cas de dire, on va écouter la marche du festival. Ça tombe bien puisque ça sera un festival, on y va. Et c'est interprété par Cédric Saillard. Et voilà, pour rentrer dans le festival avec cette marche de Cédric Saillard. Ça tombe très très bien puisqu'on va accueillir justement l'équipe du comité des fêtes, en l'occurrence la présidente qui est à nos côtés, Françoise Hiro, bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour Jean-Claude. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien. Bon, oui. à côté, il y a Jean-Luc Juigné. Alors lui, c'est l'homme, je dis toujours argentier. On dit trésorier dans l'ancien temps et on dit argentier dans le nouveau temps. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Je rappelle qu'il y a deux Jean-Luc aujourd'hui. Oui, deux Jean-Luc. Il n'y a que des gens, en fait. Attention, que des gens. Très bien. Et puis de l'autre côté de la table, bien évidemment aussi, alors il y a Hubert Hérault. Alors lui, il m'a dit, moi, je suis qu'un employé bénévole. je mets les tables, les chaises, les fourchettes, c'est tout. Je ne suis pas à la direction, moi. Bonjour. Le parquet. Le parquet en même temps. Approche-toi bien du micro, Hubert, également. Il faut être bien devant le micro. Alors, nous voilà dans une nouvelle édition du Festival d'accordéon de Boulois. On va quand même dire qu'on n'est pas venu depuis 3 ans, Françoise, dites-moi. Si, on a fait en 2023. En 2023, oui, quand même. Oui, on a été 3 ans sans faire à cause du Covid. Alors, il a fallu se remettre un petit peu au boulot, si je puis dire, quand même. Oui, déjà l'an dernier. Oui.
Et on s'est posé des questions, savoir si on le refaisait. Voilà. Mais comme on a eu beaucoup, on a quand même eu du monde l'année dernière, on a eu presque 700 personnes. Un très très beau festival en 2020. On a relancé, voilà, oui. Oui, c'était très bien. Pour la reprise, c'était très bien. Alors vous, donc on a décidé de continuer. Oui, de continuer. Pour 2024. Vous, l'équipe est jeune, tout va bien. Oui, très jeune. Très si, l'équipe est jeune, donc tout va bien. Et c'est vrai, c'est une superbe ambiance. Tout il le monde faut que je m'amuse à faire la moyenne d'âge. Oui, quand même. On verra, on donnera le résultat. À la fin du festival. Alors cette année, ce festival de Bouloir, évidemment, connu, j'allais dire, dans toute la France, c'est vrai. Parce qu'on s'est fait, je me suis fait également le porte-parole, c'est important, les gens qui viennent de partout, des quatre coins de la France pour voir, c'est pas facile d'organiser parce qu'à Bouloir, il n'y a pas d'amphithéâtre, il n'y a pas de grande salle de spectacle. Non, c'est toujours le gymnase. Voilà, il faut trouver la solution. Il nous est prêté par la commune. On les remercie au passage quand même. Oui, merci à la commune pour l'aide quand même apportée. Voilà, exactement. Et ce festival d'accordéon, effectivement, il fallait à nouveau avoir une programmation qui attire, et je crois que cette année vous avez mis, comme on dit dans le métier, le paquet. On essaie d'avoir toujours de nouveaux accordéonistes pour attirer plus de monde. Oui. Parce que je pense que si on invite toujours les mêmes, au bout d'un moment, on doit se lasser. Alors on écoute un petit peu le public, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu le cahier de doléances, on se dit, oh là là, lui j'en veux plus, lui je le veux encore, comment ça se passe? Oui, parce qu'il y a quelques accordéonistes qui sont venus plusieurs fois, donc il faut essayer de changer, il faut renouveler. C'est important, il y a des gens qui sont venus une fois, deux fois, trois fois, qui ont été merveilleuses d'ailleurs. Ah bah très bien, ça a toujours été très bien, ça s'est toujours très bien passé avec tout le monde. Alors cette année, quand on regarde un petit peu dans ce programme, il y a beaucoup de jeunes, c'est vrai, on va en parler en plus détaillé, il y a Romain Pruvot. Romain, il devait venir en 2020, cause Covid, il n'est pas venu, il devait venir en 2023, il avait un problème de santé. C'était compliqué. Il était hospitalisé le jour du festival. C'est pas facile. Il n'est pas venu, donc cette année, on croise les doigts pour qu'il vienne quand même le 2 juin. Oui, ça y est. Jusqu'à présent, sûr. Tout se passe bien. Tout va bien, pour l'instant, évidemment. Oui, on va enfin réussir à le voir. Bon, c'est important. En plus, c'est un artiste très bon artiste qui joue bien, qui est connu déjà dans le milieu. Parce que là aussi, ce sont des artistes, pour certains qui démarrent, sont moins connus. Qui jouent, oui, mais Romain est connu quand même. Mais Romain Pruvot est connu, qui n'est pas de famille, je rappelle, Jean-Claude. Non, il n'a rien à voir. Avec Jean-Michel. Avec Jean-Michel Pruvot. J'ai pas dit ça, moi. Avec Michel Pruvot, et tout. Et donc, il y a cet artiste. Il y a également aussi, alors là, il y en a que je connais pas du tout, comme quoi, vous voyez, on peut avoir 45 ans de carrière, Françoise, et pas connaître tout le monde. Il y a Baptiste Guichard. Moi, j'ai connu Olivier Guichard, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, et tout. Et ça, c'est pour l'anecdote, Baptiste Guichard. Je crois qu'il fait partie de l'orchestre de Denis Salès. Denis essaie de le lancer, je crois. Et c'est une bonne idée. Il faut lancer les jeunes, jeunes, évidemment, c'est important. Comme il se doit. Et puis, alors on fait un tour, on va y revenir un petit peu. Il y a Guillaume, je l'ai bien dit, Baudequin, c'est bien ça. Oui, c'est pareil, je pense que c'est Denis Salès qui l'a pris sous son aile pour le faire évoluer. Et apparemment, ça se passe très bien aussi. Ça passe bien également. Bon, ça veut dire priorité que aux jeunes, ça va donner un nouvel air, un nouveau son, dirais-je, au festival qui, on a connu tous les grands, sont pratiquement passés. À part Yvette Horner, elle n'a pas voulu venir. Non. À l'époque, je plaisante évidemment et tout. Mais c'est vrai, les grands sont passés. Il y a eu à Bouloir, c'est quand même, comme bon nombre des festivals en France, un endroit où il fallait être à Bouloir. C'était pratiquement obligatoire. Donc c'est une belle image pour le comité, bien sûr, pour l'équipe et notamment pour la ville de Bouloir. Il ne faut pas l'oublier. Pour Bouloir, c'est quand même une manifestation importante parce qu'il faut savoir qu'au niveau du comité, en priorité, on travaille avec les commerçants de Bouloir. Voilà, donc on les salue d'ailleurs en l'occurrence. Et on les remercie aussi pour leur participation à la publicité, pour leur aide. Tout à fait, c'est important. Important, participe, la pub. D'ailleurs, regardez, on fait voir un petit peu à la caméra parce que notre ami André réalise l'émission en images aujourd'hui. Et donc, Festival de Bouloir, c'est une belle affiche, évidemment. Et à l'intérieur, eh bien, il y a évidemment tous les partenaires. Parce que si on n'avait pas tous les commerçants, on ne pourrait pas faire autant de pubs. Voilà, c'est important. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Et nous, peut-être qu'on va écouter un autre passage parce qu'on a besoin d'écouter de la musique également aussi, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis, en fin de compte, comme il y a un jeune aussi qui va y être, c'est Quentin Laroche, eh bien, on va écouter ce qui sait faire, donc avec un slow qui s'intitule Évidemment. Bon, et bien on va danser. Allons-y. Il y a comme un goût amer. Comme un goût de poussière dans tout.
des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment. Sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change je tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords. On aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Comme avant, pas comme avant. Voilà une très belle chanson interprétée par Quentin Laroche et qui s'accompagne au piano. Ouais, je voulais danser, mais c'est pas l'heure de danser. Hein. C'est, non, c'est un slow. Ah, mais... c'est un slow. Exactement. Alors, on était bien sûr avec nos amis du comité des fêtes de Bouloir. C'est le festival d'accordéon. C'est le 22e, évidemment. C'est le dimanche 2 juin. Il faut pas l'oublier. Notez bien ça, chers amis auditeurs, auditrices. C'est important. Téléphonez. Tiens, on peut déjà donner un numéro de téléphone. Mais on n'est pas à la fin de l'émission, bien sûr. Françoise, un numéro de téléphone oui, important. Donc, il y en a peut-être deux, d'ailleurs, en l'occurrence. Donc, contrairement à ce qui était marqué dans le mail libre, voilà. C'est bien le dimanche 2 juin. Bon. Mais bon, comme il y a beaucoup de gens qui ont reçu les dépliants, la date était bonne, donc... Bon, on, oui, le, dit à, on le dit à nos confrères du Maine Libre. Hein, un oui, petit ce passage. Serait bien qu'il y ait un petit rectificatif. C'est bien on l'a le... demandé, mais on attend. Alors, on va... Un numéro de téléphone. Oui. Alors, il y a trois numéros. Trois numéros. Alors, 02 43 35 27 11, 06 13 39 73 50, 06 72 31 20 voilà, 12. Très bien. Et une adresse mail, comité des fêtes Bouloir, tout attaché, @sfr.fr. Ouais, c'est important parce que quand c'est plein, on ferme les portes. Hein. Oui, mais bon, vous pouvez encore téléphoner, c'est pas encore plein. Voilà, quand il y a 700 places, après c'est fini. Oh, même 800. Hein. Même 800, si, si. On a, ouais, on a fait, on a ah fait bah, plus. 2019, ouais. On a battu le record. On a frôlé les 800. Exactement. Donc voilà. Ce serait bien qu'on les frôle encore cette année. Et cette année, vous l'avez compris, bon, on va écouter Quentin Laroche, qui va être là également aussi, qui est quand même quelqu'un de très connu. Oui, il joue du corps de chasse aussi. Oui, il va nous en faire un petit peu. J'espère. Un petit peu de corps de chasse. Moi j'ai tenté, mais ça marche pas. J'arrive pas à souffler.
gonflés. Hein, non, on est au réalisateur de l'émission. Mathieu m'a dit, moi, j'y connais rien, donc c'est pas la peine. Donc, et l'assistant, on ne sait jamais. Il faudra qu'on lui demande l'assistant. Peut-être que lui, il sait. Allez savoir. En tout cas, le festival, évidemment, se prépare. Donc, à côté, justement, on va revenir avec François dans quelques instants. Il y a un homme important, c'est celui qui tient le coffre-fort. Ouais. Et donc, c'est Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, dites-moi, il y a la présidente, mais vous dites, attention, faut pas dépasser. Comment on gère ça un petit peu, en quelques mots? Oh, je lui dis pas, faut pas dépasser, ouais, quand même. Je laisse la liberté quand même. Oui, la liberté. Après, je compte après. Mais, et je donne le bilan après. Ouais, donc c'est important de bien tenir, parce qu'il y a quand même un programme artistique qui est important. Ah, oui. Et donc, quand on prépare, effectivement, avec l'équipe, vous préparez votre programme, vous dites aussi que vous pourriez faire un festival avec un programme, un plateau de 10 000 euros, 20 000, je ne sais pas, oui, comme on veut. Vous voyez. Mais je vois grand, évidemment. Hein. Après, on fait quand même un comparatif des prévisions par rapport à ce qu'on avait l'année avant, pour voir quand même où on va. Quand même. Oui, j'imagine qu'il ne faut pas trop aller au-delà, hein, évidemment. Non, François. Parce qu'après, le prix aussi, il faut penser aux gens qui viennent quand même. Exactement, oui, parce que bon, cette année, on va dire que bon, il a fallu bouger un petit peu le... il a fallu augmenter le prix. Ouais. Donc bon, il y a certaines personnes qui sont plus réticentes, hein, ça commence à faire. Mais oui, mais bon... Oui, parce que l'an dernier, on n'avait pas augmenté... On n'avait pas voulu trop augmenter. Voilà, en proportion de l'augmentation qu'il y avait. Comme ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas fait. C'est important, vous avez raison de le dire, parce que souvent on dit « oui, mais les prix, mais augmente, les cachets augmentent. » Oui, les cachets déjà. D'ailleurs, les cachets, les charges, la SACEM. Faut que je pense, Jean-Claude, t'es d'accord, non, on s'amuse, on rigole un petit peu. C'est vrai que les cachets augmentent parfois parce que les charges artistiques augmentent. Et c'est compliqué pour les organisateurs, il ne faut pas l'oublier. Les frais de restauration et tout ça, ça va augmenter. L'année dernière, c'était quand même une reprise depuis 2019. Oui. Donc la fallait qu'on redémarre un petit peu, on savait pas trop comment. On voulait pas trop augmenter le prix parce que pour pas quand même que les gens ça les rebute et puis voilà quoi. Oui, de façon. Donc c'était l'année dernière, c'était pour se relancer, donc voir comment ça allait faire. Exactement. Donc cette année, on était obligé de réajuster un peu par rapport à l'année dernière. Quoi. Et la clientèle est toujours là parce qu'elle renouvelle, parce qu'en plus les gens ils aiment ça, on le voit qu'il y a quand même une ambiance exceptionnelle, il faut le dire quand même. Oui, et puis les gens demandent. Et puis les gens demandent, sachant que des festivals dans la région, excusez-moi, il n'y a plus que Bouloir. On dit que Bouloir c'est la cathédrale de l'accordéon, j'aime bien employer le mot cathédrale, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi. C'est normal, nous sommes à RCF, ça fait partie de ça, donc ça fera plaisir à certaines personnes bien évidemment. Si c'est vrai, c'est important, c'est un grand rendez-vous effectivement. On pose les campings, parce qu'il faut savoir quand même qu'on attire un peu des campigneux, on dit ça, un peu des campigneux. Oui. J'adore, c'est pas mal, je trouve. Hein. Et ça fait partie de ça. Oui, puis on a des gens qui viennent, qui en profitent pour se balader dans la région. Ça fait du commerce aussi dans la région, mine de rien. Parce qu'on est touristique en même temps. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes viennent en camping-car, ils s'installent après sur les campings, puis ils profitent de la région. Oui, il y a des gens, c'est ça. Parce qu'il y a des personnes qui viennent de très loin. On a des gens qui viennent du Var, de Cannes. Il y a la Vendée, il y a la Marne, la Normandie, il y a toute la France. Et il y a ceux qui reviennent depuis le début pratiquement. Certains sont là depuis pratiquement le début, quand même, il faut le dire. Et c'est une marque de confiance. Tout à fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis ces gens-là nous font beaucoup de pubs aussi. Oui, parce que voilà. Parce qu'ils demandent à ce qu'on leur envoie des dépliants, parce qu'ils font des thés dansants, ils vont dans d'autres festivals. Je ne sais plus où est-ce qu'il y en a un bientôt, là, et il faut qu'on envoie de la pub. Ils voyagent dans toute la France, il y a des festivals, peut-être plus maintenant, il faut le dire, peut-être plus côté sud, côté centre-France. Oui. C'est vrai que dans l'ouest, c'est quand même plus petit, il faut dire. Alors, on les remercie parce qu'en fin de compte, ils écoutent peut-être. On les remercie. Et puis, on fait un coucou à notre ami, j'espère qu'il sera là, Rémi Ledé. Ah ben bien sûr qu'il vient. Rémi Ledé, exceptionnel parce qu'il joue d'accordéon sur le parking. Il faut le rappeler, c'est des beaux souvenirs. Moi, je l'ai vu partout. J'ai voyagé à Saint-Amand, à Châtellerault, à Bitry, partout. Je suis allé présenter des galas. Ils sont partout. Et en fait, on fait un petit moment, un petit concert sur le parking. C'est plutôt sympa. Et moi, j'apprécie beaucoup. Il vient, et donc, ça y est. Rémi Ledé fait partie des meubles, si vous me permettez l'expression. Exactement. Alors, il nous aide beaucoup, lui. Oui, c'est bien aussi. Ce sont des bénévoles. Des bénévoles qui. Oui, quelque part, oui. Alors, il y a également aussi la première partie. Sera assuré par l'orchestre de Denis Salest. Ça, c'est important parce que c'est une bonne formation. On a voulu changer de formule un peu. Puisque avant, on prenait un orchestre et on prenait des jeunes régionaux. Oui. Donc, cette année, on avait décidé de changer un peu la formule. De bouger un petit peu les choses. Ouais. C'est important. De prendre un autre orchestre pour...
pour changer. Oui, pour donner un petit peu davantage de vitalité, sachant que quand on connaît Denis Salès, c'est bien. Ah, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Donc, Denis Salès, c'est quand même une pointure, et c'est quelqu'un qui sait amener la fête. Quoi. Oui. Et puis bon, ça va donner un caractère, parce qu'on va retrouver des accordéonistes plus confirmés encore, qui vont être dans la première partie, et donc c'est ce qui fait aussi, qui donne un petit peu cette valeur du festival. On est quand même au 22e. C'est quand même ça devrait être le 25. Ça devrait être le 25, on a perdu du temps quand même. On a perdu beaucoup de temps, comme il se doit. Ouais. On écoute peut-être un autre titre, Jean-Claude. Oui, tout à fait, on va écouter l'accordéon en fait, c'est une marche de Cédric Saillard. Eh bien, on y va alors. Voilà, c'était la marche d'accordéon en fait. Oui, ben on est en fait évidemment, et on sera en fait évidemment, Jean-Claude, le 2 juin. C'est le 22e festival évidemment. Oui. On revient tout de suite avec notre ami bien sûr Hubert, parce que lui me dit moi je suis pas dans le bureau, attention, je mets les tables, alors Hubert un le petit parquet. Mot, le parquet. Bon, bénévole, il y a combien de bénévoles justement? Ah, tiens, bonne question. Combien de bénévoles? Une trentaine. Une trentaine dans le comité. Plus que ça. Il y a 27 membres. 27 membres. Donc ça fait une quarantaine de bénévoles. Une quarantaine. Donc tu fais partie des bénévoles dans la quarantaine. Même. Des 27 également. Oui. Bon, il faut beaucoup de bénévoles, c'est important, sinon on ne peut rien faire. Surtout que la difficulté chez vous, il faut le dire quand même, on le dit bien sûr à nos auditeurs, vous installez un parquet vous-même dans la salle polyvalente, c'est obligatoire. Non, dans le gymnase. Dans le gymnase. 800 mètres carrés. 800 mètres carrés. Donc c'est énorme, ça ne s'est jamais vu d'ailleurs et tout. Oui. Et c'est tout simplement pour une journée, François. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, ben bah oui. Ça demande beaucoup. Donc, commence à installer. Et après, il y a toute une technique. Commence le jeudi. Le mercredi. Et puis après, il faut tout démonter. Il faut tout démonter, passer un coup de balai et tout. Et surtout, surtout la préparation. On met une moquette en dessous. Oui, parce que c'est obligatoire, c'est une salle. Oui, quand même, on fait du sport. Hein. Ben oui, donc il y a les tapis qui sont mis avant. D'accord, donc très bien. Un boulot énorme en tout cas pour faire la fête, parce que nous on arrive, on fait la fête aussitôt, évidemment. Alors, on revient dans cette partie, parce qu'on arrive vers la fin de cette émission. Bien sûr, l'invité exceptionnel, Françoise. Voilà, effectivement. Magali Ripoll, que vous voyez tous les jours, pratiquement, sur France 3. France 2. Pourquoi France 3? Je sais pas. J'étais habitué avec mon copain Brunner dans le temps. C'est pour ça, tu comprends. Moi aussi, j'ai bossé avec Brunner également. Donc, sur France 2. Et alors, c'est l'invité exceptionnel, parce que là, c'est une pointure. Cette année, on a fait fort. Ouais.
Donc, le trésorier dit, j'ai cassé la tirelire. Oui, ben, oui, exactement. Oui. Alors ça peut expliquer aussi l'augmentation du prix. Bon, ben voilà. En tout cas, ça va être un très 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 beau spectacle parce qu'on la voit à la télévision tous les jours. Elle a la patate, elle joue du violon, oui, de l'accordéon, oui, elle chante, elle se déguise, oui, oui. Elle fait pratiquement tout. Oui. Et c'est une artiste. Hein. Elle a pris la tournée de Nagui. Elle est partie en France dans les Zénith et tout. Et c'est elle qui a dirigé un petit peu parce que Nagui n'allait pas partout, effectivement. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qui a la patate qui, demain, ça va être une artiste exceptionnelle. Oui, alors, l'accordéon, mais elle veut faire plein de choses. Elle ne veut pas faire que de l'accordéon. Mais bon, c'est déjà une bonne chose. Oui, oui. Puis elle a accompagné quand même de grands artistes. Ben voilà, exactement, oui. On peut en citer quelques-uns. Hein. Ouais. Ben oui, il y a Charles Aznavour. Oui, absolument. Oui, Lino Renaud. Oui, oui. Emmanuel Moir. Oui, qui est notre Sartois. Oui, exactement. Oui, je crois que jusqu'à la dernière tournée d'Aznavour, je crois qu'elle en faisait partie. Hein. Donc c'est quand même bien. Bah, on va chanter, hein, on ne va pas oublier les paroles. Bah non. Ce dimanche, et évidemment, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui... parce qu'on est quand même au mois d'avril, c'est le 2 juin, donc il faut réserver. On vous a donné les numéros de téléphone, il y a la boîte mail également. Il y a les affiches qui vont aller partout, les programmes également. Donc il faut prendre. Il y a maintenant parce que. Ah oui, oui. Bah dernière oui, minute, faut... si vous êtes dans le 800. Eh oui, il y a des gens en 2019 qui s'étaient fait avoir, qui avaient attendu et en fait, ils n'ont pas eu de place. Ils n'ont pas eu de place. Mais ces gens-là, maintenant, ils ne se font pas avoir. Ils envoient directement. Ouais, directement. Là. Et il faut signaler aussi qu'il y aura un bon repas de servi. Bah ça, c'est exactement. Important. On a déjà faim. Il sera préparé par le restaurant, le petit Brétois. Le petit Brétois. Le traiteur. On a fait coucou également. Alors on fait coucou à tous les bénévoles de l'équipe. Bien sûr, on remercie tous les bénévoles. On les embrasse. Bon, il y a beaucoup de boulot. Ouais. Cette année, il y en aura un petit peu moins pour certains, mais bon. Exactement. Mais surtout pour le parquet, pour l'installation. C'est toujours un gros travail. Hein. Ah bah c'est un gros travail. On remercie évidemment tous les partenaires. Tous les partenaires, tous les commerçants, la commune, puis tous les gens qui viennent aussi. Voilà, tous les gens, les auditeurs. Qui sont fidèles depuis des années. Ouais. Et ceux qui viennent pour la première fois, venez, soyez les porte-parole. C'est important. Important. Voilà. On arrive à la fin de l'émission. Oui, tout à fait. Alors, un petit tour de vite fait, quand même, vite fait. Donc, un petit mot, notre ami Hubert. J'espère que ça va bien se passer. Bon, bah, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Très bien, bien. Merci en tout cas. Jean-Luc, notre argentier. Eh ben, je dirais à peu près la même chose. Il y a du monde et puis après c'est bon. Je vois très bien, je vois sourire comme ça. Il me dit, je vais voir la caisse qui va monter, qui va monter. Oui, exactement. Parce que... Il faut savoir qu'en 2023, on a quand même eu un petit déficit. Oui, quand même. Voilà. C'est pas facile de faire du spectacle. Hein. Non. C'est de plus en plus compliqué. Compliqué. Non, mais aujourd'hui, c'est encourageant, vu tous les appels qu'on a, toutes les réservations qui sont déjà aujourd'hui. Oui. Ça a l'air d'être encourageant. C'est encourageant. Merci Jean-Luc également. Voilà. Et notre présidente François Zéro. Oui, bah donc, on attend tout le monde. On attend tout le monde. N'hésitez pas à téléphoner, on vous attend. Eh bien écoutez, j'essaierai d'être là à l'heure. Hein, on espère Jean-Luc. Ah, oui. Sinon, on sera là. On sera là bien évidemment, car vous savez, on va réaliser des reportages grâce à notre ami Jean-Claude qui va interviewer tout le monde. Et ça sera l'objet d'une émission après le festival. Tout à fait. On va remercier Mathieu à la régie qui réalise cette émission. Remercier son assistant évidemment qui était là, qui j'espère nous a bien écouté et il va nous débriefer après. J'attends au pire, évidemment. On vous souhaite évidemment. Merci à André qui réalise les images. Vous allez retrouver ça merci sur André, TV Men, YouTube, bien sûr. Ça sera bientôt mis en image, le temps qui monte tout ça un petit peu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures, Jean-Claude. Tout à fait, ouais, d'autres invités, évidemment. Et puis, bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine. Merci de nous écouter. Et surtout, n'oubliez pas, allez danser à Bouloir le 2 juin. À bientôt. Et on écoute pour terminer la valse des Auvergnats interprétée par Quentin Laroche. Ben pourquoi pas.